Et malgré cette légère relance, l'activité reste très fragile. Pourtant, certains sortent leur épingle du jeu. C'est le cas notamment pour une entreprise de carrosserie transformation à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Elle fabrique des véhicules pour les services de secours et elle vient d'en exporter une cinquantaine au Kenya. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de cette société qui roule. Un reportage de Samuel Grasset. Ici, quand un utilitaire neuf tout droit sorti de l'usine de constructeur arrive, c'est pour y être complètement transformé. À l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, isolé, recouvert de polyester et équipé pour répondre aux besoins d'intervention des pompiers, des ambulanciers ou des entreprises de pompes funèbres. Donc on est en train d'équiper les meubles du véhicule et après il va passer en partie électricité. Et puis on va équiper, monter les sièges et la table de brancard. Ces dernières années, le marché automobile a souffert de la crise. Celui du transport sanitaire est stable, malgré les restrictions de budget des départements qui gèrent les services de pompiers. Car avec la désertification médicale et la fermeture des petits hôpitaux, les besoins de transport en ambulance sont plus importants. Jiffa Collet a néanmoins dû s'adapter aux normes européennes plus exigeantes, aux besoins spécifiques aussi de ses clients, notamment étrangers. L'entreprise vend ses véhicules vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Il y a les normes à respecter, bien évidemment, mais également les us et coutumes. Les contraintes, les habitudes sanitaires, religieuses ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Et donc, effectivement, nos ambulances doivent de respecter des aménagements qui tiennent compte de ces spécificités par pays. Répondre aux normes, mais aussi innover pour résister à la concurrence internationale. L'entreprise vendéenne a notamment imaginé ce système pour hisser en douceur et sans effort un brancard dans une ambulance. Aujourd'hui, les patients ont tendance à être de plus en plus fortes de corpulence et donc les ambulanciers nous ont demandé de travailler sur un système pour les aider à accompagner le patient dans le véhicule. Éviter les efforts, les problèmes de dos. Jiffa Collet travaille avec le groupe Gruo, auquel elle appartient, sur des véhicules électriques, notamment pour le funéraire. L'entreprise planche aussi sur l'ambulance 2.0, une ambulance connectée. Notre objectif, nous, aujourd'hui, c'est d'intégrer l'ambulance dans ce monde de la connexion et de la connectivité pour faire en sorte que l'on apporte de la facilité au transfert des données médicales depuis le lieu de l'accident jusque la réception du SAMU et l'hôpital. Cette ambulance connectée pourrait être proposée aux pompiers dès la fin de cette année. Un projet qui oblige Jiffa Collet à recruter de nouvelles compétences au sein de ses équipes.